direct avec la Chambre des métiers. Bonjour mesdames, vous êtes très nombreuses à participer effectivement à ce salon aujourd'hui. Voilà, et alors attendez, il manque une troisième personne qui est juste là. Voilà, donc bienvenue sur ce workshop du salon professionnel de ce vendredi après-midi. Et vous allez nous parler reconversion professionnelle, devenir artisane en 2021. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Oui, ça marche, c'est ça. Donc merci, alors bonjour à tous, bienvenue sur le workshop live du salon professionnel. Alors je m'appelle Hélène Agbal, je suis la responsable du service création reprise d'entreprise et évolution professionnelle à la Chambre de métiers. Alors, je vais vous présenter brièvement la Chambre de métiers, même si nous reviendrons plus tard sur le rôle et les missions. En gros, la Chambre de métiers, en deux, trois lignes, c'est l'accompagnement des projets et des entreprises artisanales. Donc, nous intervenons de l'idée, donc de la genèse du projet, jusqu'à la transmission de l'entreprise. Voilà, donc nous sommes présents sur toutes les étapes clés de la vie de l'entreprise artisanale, en passant donc par de l'information, du conseil, de la formation. Nous accompagnons les artisans et les futurs artisans pour mener à bien leur projet. Voilà, donc cet après-midi, nous allons échanger autour du thème « Devenir artisane en 2021 » et qui mieux qu'une chef d'entreprise dont le projet est issu d'une reconversion professionnelle pour en parler. Donc aujourd'hui avec moi seront présentes Fanny Frossiel, chef d'entreprise, et Émilie Blazex, qui est chargée de développement économique à la Chambre de métiers et qui est un peu la conseillère privilégiée de Fanny. Donc bonjour Fanny et bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Hélène. Alors Émilie, je te laisse juste te présenter en quelques mots. Tout à fait. Merci Hélène. Donc moi, je fais partie de l'autre service dédié aux entreprises, sur les entreprises en développement. Donc, je m'occupe notamment des entreprises en développement sur Bordeaux Métropole. Et je suis aussi en parallèle animatrice d'une pépinière d'entreprises artisanales installée dans le quartier Sainte-Croix à Bordeaux. Et Fanny est l'une des résidentes de cette pépinière. Elle pourra expliquer justement comment aller rentrer dans la pépinière et à quoi sert une pépinière. Merci, Émilie. Alors, Fanny, oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Alors, tu as créé ton entreprise en 2020, donc c'est surtout autour de ton projet et de toi que va porter du coup cette interview. Alors, j'ai plein de questions à te poser. Avec plaisir. Sur la réalisation de ce projet. Alors, du coup, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Quel est ton parcours avant avant de rentrer dans l'artisanat? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, avant de rentrer dans l'artisanat, j'ai fait des études en environnement. Plus précisément, j'ai fait une maîtrise gestion de la biodiversité. Donc, avec comme projet professionnel de travailler dans l'environnement, tout ce qui pouvait toucher à la gestion de la nature et de la biodiversité. Ça a été très difficile de trouver du travail dans ce domaine. Je n'ai pu effectuer que des missions volontaires, donc de l'éco-volontariat ou du bénévolat. Et donc, j'ai enchaîné entre ces missions de bénévolat dans l'environnemental, j'ai pu enchaîner différentes missions de travail dans différents secteurs d'activité. Et c'est ça qui m'a poussée à avoir, enfin une reconversion professionnelle, à avoir être mon propre employeur. C'est justement la difficulté à avoir un emploi stable, un emploi qui me plaît, bien sûr, puisque là, les différents boulots, on peut dire que c'était des boulots alimentaires plutôt que des boulots intéressants. Ok. Donc, tu as eu déjà un premier déclic en ayant du mal du coup à trouver un travail qui soit adapté à ta formation et tes études. Mais du coup, de quoi est né ton projet? Comment est né ton projet plutôt? Comment tu t'es dit un matin, bah, tiens, déjà comme ça tu vas nous présenter ce que tu fais aussi, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire je me lance là-dedans plus précisément? Oui. Bien, alors justement, donc là, j'ai abouti à une reconversion en artisanat
parce que c'est un cheminement personnel qui s'est fait entre mon lien avec la protection de l'environnement, de la biodiversité et mon côté un peu artistique, artisanal, enfin manuel. J'ai toujours été dans la création un petit peu, la créativité, et donc j'ai voulu mixer les deux. C'est venu progressivement cette envie de créer en upcycling, donc je crée de mobilier, décoration, accessoires, bijoux dans le thème de l'upcycling, c'est-à-dire privilégier le réemploi de matériaux, donner une deuxième vie à des objets qui pourraient être jetés ou des objets désuets. Et ma reconversion, le déclic a été, donc j'avais toujours eu cette envie peut-être un peu d'avoir mon propre boulot, mais le déclic a vraiment été en 2018, lors du salon justement professionnel, où j'ai participé. Donc, il était dans les locaux de la mairie de Bordeaux. D'ailleurs, j'ai le petit fascicule de l'époque que j'ai gardé en souvenir. Et donc, j'ai assisté donc à plusieurs conférences. À l'époque, c'était en direct, bien sûr. J'ai échangé avec les partenaires qui étaient présents dans les lieux. Le déclic, ça a été lors de ce salon professionnel en 2018, où j'ai vraiment rencontré des intervenants qui parlaient de leur propre reconversion professionnelle, toutes les démarches, les parcours à effectuer, bien sûr, pour arriver à cette reconversion professionnelle. Ça a fait la réflexion, c'est agrandi en moi, et ensuite, j'ai commencé les recherches. Les partenaires que j'avais pu rencontrer lors de ce salon, je les ai recontactés, comme la Maison de l'Emploi sur Bordeaux, pour prendre des rendez-vous, avoir plus de documentation. J'ai essayé de mettre cette reconversion professionnelle en place avec Pôle Emploi aussi. Ensuite, suite à des difficultés d'ordre personnel, j'ai mis de ce projet de reconversion professionnelle de côté, et c'est en 2020, début 2020, où je me suis retrouvée sur le marché. Plutôt fin 2019, je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi, pareil en difficulté, toujours pour retrouver quelque chose de stable. Et en 2020, je me suis dit, ça y est, c'est cette année, je me lance. Et donc, j'ai profité du premier confinement de mars 2020 pour faire toutes les recherches associées à la reconversion professionnelle. Donc déjà, c'est vraiment par étapes, il faut faire plein d'étapes, poser bien son projet pour voir s'il est réalisable par rapport à sa personnalité, ce qu'on veut vraiment obtenir comme travail et comme condition de travail, et ensuite faire les étapes différentes, études commerciales, études de faisabilité financière. J'ai été accompagnée par différentes structures, donc je peux citer en dernier la Chambre des métiers. En fait, tu vas là t'anticipes du coup la prochaine question. Hélène, je te laisse poser des questions alors. On y vient alors. Non, parce qu'en gros, la prochaine question porte plutôt là-dessus. Du coup, bon, ben voilà, on a le un peu le parcours finalement qui t'a poussé à comment est née cette idée, en fait, comment elle a germé. Et là maintenant, la prochaine question porte sur les démarches entreprises. Donc à partir du moment où tu t'es dit j'y vais, qu'est-ce que tu as fait et dans quel ordre? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, poser mon projet. Vraiment poser mon projet avec les différentes informations que j'avais pu récolter lors de ce salon professionnel, différents fascicules. Celui-ci m'a beaucoup aidé, le livret de créateur d'entreprise, pour vraiment faire les étapes, poser son projet, l'adéquation entre l'idée d'une création d'entreprise et la faisabilité par rapport à son propre, sa propre personnalité. C'est vraiment très important parce que beaucoup de gens peuvent se lancer et ne se rendent pas compte que là, par exemple, dans mon cas, je suis en micro-entreprise, et micro-entreprise, c'est-à-dire avoir beaucoup de casquettes, avoir toutes les casquettes d'une entreprise, chef d'entreprise, manager, community manager, la production, il faut tout gérer. Et les gens, il faut vraiment poser son projet pour pouvoir se rendre compte de tout ça. Et donc, il y a différentes structures qui m'ont aidé dans la Maison de l'Emploi. Donc, j'ai fait ces recherches documentaires, j'ai participé aux conférences du salon professionnel. Donc, j'ai eu des rendez-vous avec certains organismes. Et ensuite, la recherche d'ateliers. Donc là, on en vient avec mon contact avec Émilie, qui m'a beaucoup aidée dans ce périple de la recherche d'un local, parce qu'étant artisan et voulant travailler le bois, je ne pouvais pas le faire à domicile. Donc, il m'a fallu trouver un atelier. Là, j'ai découvert la pépinière Bordeaux-Sainte-Croix, qui est une pépinière d'entreprise proposant des locaux en location à des tarifs préférentiels pour les artisans dans leurs premières années de création d'entreprise.
Et elle m'a aidée justement à avoir, parce que bien sûr, il faut monter un projet, un dossier, pardon, plutôt. Et donc, on a été ensemble pour la structure de ce dossier. Et la Chambre des métiers m'a mis en contact avec une personne dans le secteur économique de la Chambre des métiers, m'a aidée pour la constitution finale de mon dossier business plan, pour ensuite rentrer dans la pépinière. Donc là, c'est la dernière étape, trouver le local et la pépinière d'entreprise. Ok, oui, pour bien poser les bases, chiffrer le projet, savoir calculer un chiffre d'affaires et voir un peu où tu allais. Est-ce que tu as eu besoin de financement? Non, je n'ai pas eu besoin de financement parce que je partais j'avais besoin juste de quelques matériels que j'avais déjà. Et ensuite, comme je pars sur de l'upcycling, c'est-à-dire donc récupérer des matériaux, récupérer des objets pour les détourner, la matière première, c'est à partir de dons et de récupération. Donc, pour ça, je n'ai pas eu besoin de financement. Mais le business plan était nécessaire pour moi, pour me projeter dans ma création et dans mon résultat de vente, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Essayer de vraiment visualiser sur une année et ensuite sur 3 ans, pour le plus global et voir si c'est viable. Et vraiment, donc, la personne en charge de cette branche sur la Chambre des métiers m'a vraiment beaucoup aidée sur cette étape-là qui est difficile à mettre en place. Mais m'accompagner, on y arrive et on a une visibilité. Oui, mais c'est vrai que c'est nécessaire pour pouvoir te donner des objectifs déjà à court terme, moyen et long terme, mais surtout à court terme sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut produire la première année, ce qu'il faut vendre pour pouvoir se dégager au moins une rémunération. Ok. Qu'est-ce qui t'a plu finalement dans cet accompagnement? Enfin, si tu devais, parce que bon, je sais que ça a été quand même assez long quand même comme parcours, mais si tu devais sortir vraiment une ou deux étapes clés de cet accompagnement-là. Alors, l'accompagnement vraiment intéressant, ça s'est fait donc dès mon intégration dans la pépinière, donc en juillet 2020, ma date de création d'entreprise. La Chambre des métiers propose différents formations, des courts termes, des formations d'une journée, des formations, des webinaires de 1 heure ou 2 heures. Et ça, ils ont mis en place beaucoup de choses par rapport aux situations sanitaires qui nous empêchaient d'avoir des fois des présentiels. Et beaucoup de petites formations m'ont aidée pour vraiment mettre en place ma communication, comment gérer ma micro-entreprise au quotidien, vraiment planifier mes tâches. Ça, c'est ces petites formations qui sont financées puisque en tant qu'artisan, on cotise pour un fonds de formation. Donc, la Chambre des métiers prend à hauteur de ces des fonds qu'elle a sous le coude. Elle peut proposer ses formations aux artisans, mais aussi elle propose aussi, comme on le dira, avant la création d'entreprise, des accompagnements. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a aidé le plus. Les petites formations, parce que vraiment, j'ai pas énormément de temps maintenant que je suis artisane pour ce genre de formation, mais vraiment des formations de courte durée, ça aide, ça rebooste et ça accompagne vraiment. Ok. Alors, du coup, tu t'es lancée en 2020, donc on va dire que c'était pas une année géniale pour... Non. Pour se lancer, pour autant tu l'as fait et puis enfin il y a voilà, nous on le voit rien qu'en termes, enfin rien qu'au niveau Chambre de métier, les créations d'entreprises n'ont pas reculé en 2020, au contraire, hein, il y a même eu la tendance inverse puisqu'on a vu énormément de projets voir le jour dans l'artisanat, mais aussi nos collègues de la Chambre de commerce ont un peu font le même constat. Du coup, toi Fanny, est-ce que tu t'es dit mince, c'est un projet que tu as mûri depuis longtemps, donc si on se trouve toujours des raisons de pas y aller, on n'y va jamais. Mais pour autant, est-ce que tu t'es dit, est-ce que ça t'a fait peur en fait de te lancer en plein milieu de la crise sanitaire? Et est-ce que ça a freiné le développement de ton projet? Alors, ça ne m'a pas fait peur puisque pour moi, on avait passé quand je savais que je l'ai fait pendant, j'ai vraiment mûri et développé mon projet pendant la crise. Mais pour moi, la crise était plus ponctuelle que ça. Et finalement, en juillet, quand j'ai vraiment lancé ma société, la micro-entreprise, c'est vrai que pour moi, tout était derrière nous. Et au final, non. Et c'est vrai que dans les faits, ça a freiné le développement de mon entreprise. Oui, ça, c'est sûr. Puisque la crise continue forcément actuellement.
Ça, ça m'a freiné. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas bloqué et je ne regrette pas parce que c'est un projet vraiment qui, quand on est en reconversion professionnelle, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, quand au moment où on sent que c'est le bon moment, c'était le bon moment en 2020, il fallait que je crée ce souci. Voilà. Ok. Et une question aussi importante que je voulais te poser, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, on n'est pas chef d'entreprise. Et effectivement, vous, les artisans, vous maîtrisez très bien la conception de vos produits, de vos services. Voilà, c'est vraiment dans votre ADN. Pour autant, on sait que maîtriser tout le prisme de la création d'entreprise, donc, et tu l'as dit, les RH, le marketing, la communication, le management, c'est des choses qui prennent du temps et pour lesquelles il faut vous former. Toi, qu'est-ce qui t'a fait peur quels sont les aspects de la création d'entreprise en fait qui t'ont fait un peu plus peur? C'est la gestion, est-ce que c'est l'administratif? C'est un peu la gestion et un peu justement la communication qui m'a fait peur. Puisque au niveau administration, je quittais un boulot de gestion administrative, donc l'administration ne me fait pas peur. J'ai fait toutes mes démarches pendant le confinement, donc quasiment toute seule pour tout ce qui est la recherche et l'administratif. Et ça m'a pas posé de problème. C'est vraiment la communication, après sur les réseaux sociaux, ça c'est plus difficile. Voilà. Et après en direct aussi sur du. Mais c'est pareil. Après j'ai pu avoir droit à des formations de la Chambre des Métiers et elles sont toutes bénéfiques. Elles nous donnent un boost en tant qu'artisan, en tant que micro-entreprise. On se retrouve seule avec toutes ces casquettes à devoir jongler pour avancer, pour que la société se développe. Donc, c'est vrai que c'est un soutien, vraiment. C'est vrai que, on essaye que ça corresponde à vos besoins, que ça réponde vraiment à des problématiques qui sont importantes pour vous. Émilie ? Petit truc supplémentaire, je ne sais pas si c'était l'une des questions, mais la pépinière, par rapport à la pépinière. Alors là, c'est vrai que, justement, j'en reviens, micro-entreprise, ça m'a fait de suite le déclic. Là, je suis dans une pépinière d'entreprise. On est 10 entreprises, la plupart en micro-entreprise. On se soutient. On s'entraide, on se donne des conseils, que ce soit administratif, la communication, quand on a des coups de blues, bien sûr, parce qu'on a tous des hauts et des bas dans une société. Et bien, c'est une structure que je recommande à tous, puisque c'est vraiment bénéfique quand on est seul, quand on se retrouve seul en tant que chef d'entreprise, et que notre projet, il y a de la production, mais il y a aussi de la vente, de la com, etc. Là, vraiment, j'ai des collègues, en fait. Ils sont ils ne travaillent pas avec moi. Ils ne font pas la même chose que moi, mais j'ai des collègues. C'est vrai que la pépinière est souvent dans les premières années de création, on le sait, et ce qui revient, c'est surtout la solitude du chef d'entreprise. Enfin, déjà, que le projet soit issu de reconversion ou non, vous commencez seul, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que nous, on le sait, et la pépinière, pour le coup, c'est vraiment une famille. Enfin, Émilie va en parler, du coup, parce que ça va être à toi, Émilie. Hein, je t'ai préparé quelques petites questions. Oui, vous vous entraidez et ça évite ce sentiment de solitude, de je démarre en tant que chef d'entreprise et je suis tout seul face à mes problèmes, mes incertitudes. Émilie ? Oui. Tu es là. Est-ce qu'Émilie, tu peux nous. On va plutôt le faire du coup dans cet ordre, même si ça ne suit pas en ordre logique du parcours de la création, mais comme on vient d'en parler, est-ce que tu peux nous présenter du coup la pépinière ? Depuis combien de temps ça existe ? Qu'est-ce que tu y fais ? Tout à fait. Donc, la pépinière Bordeaux-Sainte-Croix est implantée dans le centre historique de Bordeaux, quartier Sainte-Croix. On est dans un bâtiment qui appartient à la mairie de Bordeaux, qui nous le met à disposition. Et nous, Chambre de Métiers, on réalise l'animation et le suivi des résidents qu'on appelle des pépins. Des petites entreprises, des jeunes pousses qui se développent. Donc, ce sont nos pépins. On a 9 ateliers. Donc, c'est une pépinière qui est 100% artisanale. Donc, on n'accueille que des entreprises qui ont de la fabrication. On a des ébénistes, menuisiers, céramistes, tapissiers, bijoutières, Fanny sur la partie fabrication d'objets en upcycling, une créatrice de robes de mariée. Donc, vous voyez, on a des activités très larges, essentiellement tournées vers les métiers d'art. D'ailleurs, c'est un peu le hasard qui a fait qu'on s'est retrouvé avec des métiers d'art.
Je pense que la localisation dans le centre-ville, la proximité des clients, la taille des locaux assez réduite, puisque nos ateliers et nos bureaux, le plus petit des bureaux fait 11 mètres carrés et le plus grand des ateliers fait à peine 50 mètres carrés. Donc, on est vraiment sur des locaux de petite taille, mais très adaptés pour une petite production artisanale. La pépinière existe depuis 2007. Donc, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'elle existe. On a accueilli des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs qui restent à la pépinière pour 2 ans, puisque c'est l'objectif de la pépinière. On accueille des entreprises de moins de 3 ans quand elles intègrent la pépinière, et on les accueille pour 2 ans. Et l'objectif de la pépinière, c'est quoi ? Ben, c'est ces petits pépins, ces petites pousses, c'est de faire en sorte qu'ils s'ancrent bien dans la terre et qu'ils se développent dans tous les sens de manière harmonieuse. Donc, ils sont très bons sur leur technicité, mais beaucoup moins sur tout le reste. Donc, on est là, effectivement, pour les accompagner au quotidien sur quand ça va bien, quand ça va moins bien. C'est une grande famille, hein, comme le disait Fanny. Et l'intérêt que l'on a, en plus d'avoir une pépinière qui est animée par la chambre de métier, c'est qu'on a toutes les compétences en interne. Donc, moi, je réalise la partie animation globale, le suivi global des résidents. Et après, quand on a des problématiques un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus techniques, comme du commercial, du numérique, du calcul de prix de revient, on a la possibilité de faire appel aux collègues de la chambre de métier, soit sur l'accompagnement individuel, quand il y a des problématiques vraiment spécifiques liées à l'entreprise, soit sur du collectif. Et comme le disait Fanny, ça va du webinaire d'une heure sur une thématique à des formations qui peuvent durer une, deux ou voire 3 journées. Voilà. OK. Approfondir ce point, est-ce que tu peux nous, sans entrer dans les détails, parce que sinon, vu ce qu'on propose en termes d'accompagnement, que ce soit en amont de la création ou une fois ou après, est-ce que tu peux un peu nous exposer l'accompagnement que propose la Chambre de métier du projet jusqu'aux premières années de vie de l'entreprise? Oui, ça c'est intéressant pour toutes les personnes là qui nous écoutent et qui ont un projet de reconversion en tête. La chambre de métier, elle est là tout le temps. Elle est là quand vous vous posez la question de savoir si vous devez vous lancer ou pas dans ce projet. Elle est là pour vous aider à le monter sur votre prévisionnel, votre plan de financement, sur la recherche de financement extérieur si vous avez besoin, puisqu'on a des partenariats avec des banques qui peuvent permettre de solliciter des prêts bancaires. On connaît tous les dispositifs de caution, de garantie, d'aide qui peuvent exister. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir un interlocuteur unique, on va dire, qui va vous aider à vraiment monter votre projet. Et on va jusqu'à forcément l'immatriculation de l'entreprise. On peut vous aider à faire votre dossier d'immatriculation, parce que même en micro, tout le monde dit que c'est très facile, mais c'est quand même pas si simple que ça de s'immatriculer. Donc, on peut vous aider aussi sur cette partie immatriculation. Toute cette phase en amont, elle se réalise soit en individuel par des entretiens d'orientation, soit en collectif par des réunions d'information que l'on fait tous les mardis et tous les jeudis matins de 9h à 11h, soit même par des formations plus longues qu'on appelle des PAC, qui permettent effectivement de se former sur tous les aspects nécessaires, la gestion, le calcul du prix de revient, une partie commerciale, les différentes démarches, les étapes à suivre. Donc voilà, sur la partie amont, vous voyez, on a vraiment l'intégralité du suivi qui peut vous être proposé, avec en plus, comme le disait Fanny aussi tout à l'heure, la possibilité de se faire prendre en charge quasiment toutes les prestations que l'on propose, que ce soit par Pôle emploi, que ce soit parce qu'on en a du CPF, que l'on soit déjà immatriculé et auquel cas on a des possibilités de prise en charge aussi. Donc c'est vrai que ce sont des accompagnements qui quasiment systématiquement sont gratuits. Donc c'est quand même une chose qui est à noter, parce que quand on se reconvertit, on quitte une situation souvent favorable pour des choses plus inconnues. Donc, les possibilités de prise en charge sont importantes à anticiper. Et une fois que l'entreprise est installée, on ne vous lâche pas. On peut continuer à vous accompagner dans les premières années, parce que c'est stratégique sur, effectivement, au niveau gestion, organisation, quel est mon prix de revient, quel est les prix de vente que je dois fixer, etc., sur le commercial. Et on peut vous accompagner sur toutes... sur toutes les problématiques de l'entreprise, du numérique, de l'environnement, du commercial, bref, sur toute la vie de l'entreprise jusqu'à sa transmission. Donc, vous voyez, on va vraiment jusqu'au bout. Super. Oui, nous, on parle, vit les choses à fond. Et juste, j'avais une dernière question et puis après, on arrête. Et Fanny, c'était pour toi. Et maintenant, du coup, quel est l'avenir ? Qu'est-ce que tu restes à la pépinière encore un an, c'est ça, à peu près ? Ouais, c'est ça, à peu près un an, ouais. Et du coup, tu te projettes comment ?
là, j'espère que les marchés artisanaux vont réouvrir et que je vais pouvoir développer ma clientèle. Alors, Fanny, moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez parlé de projet, mais on ne sait pas qu'est-ce que vous avez fait comme projet. Ah, comme projet ou comme création ? Ouais, comme création, enfin. Comme création, si je l'ai dit, mais rapidement. Donc, je crée du mobilier, de la décoration, des bijoux, des accessoires, en privilégiant le réemploi des matériaux et donner une deuxième vie aux objets, comme une bobine de fil, peut-être l'upcycler, je l'ai upcyclé en porte-manteau. Très bien. Voilà. Et du coup, vous êtes combien ? Vous êtes toute seule, du coup, dans votre entreprise ou... Oui, ouais. Je suis toute seule, je suis en micro-entreprise. D'accord, ok, très bien. Et vous travaillez avec des prestataires ? Non, pas de prestataires pour le moment. J'ai pas encore fait de collaboration. D'accord. Ouais. Parfait. Et Fanny est d'ailleurs dans son atelier et on voit derrière elle une partie de ses créations. Donc elle est à la pépinière. C'est ce que j'allais poser comme question. En tout cas, félicitations. Ça a l'air d'être un très beau projet. On vous souhaite tout le meilleur. C'était un atelier ou un workshop qui était très intéressant avec plein de questions. Ça donne envie d'aller s'installer. Tout à l'heure, j'étais à la piscine. J'avais envie de faire du numérique. Là, je suis chez vous à la Chambre des métiers. À la pépinière, j'ai envie de travailler le bois. Voilà, en tout cas, tout ça, c'est des projets qui donnent envie. J'espère, mesdames, que vous qui nous écoutiez, ça, vous aussi, ça vous donne envie de vous lancer, en tout cas. Artisane, pourquoi pas en 2021 ou en 2022. Ça peut être au choix. Merci beaucoup pour votre intervention. On était ravis de vous recevoir, comme chaque année, la Chambre des métiers. On vous souhaite une bonne continuation, une bonne après-midi. On vous retrouve sur votre page qu'on a mis en chat, la page partenaire du Salon professionnel sur la Chambre des métiers. Il vous reste encore le click and meet, on peut prendre contact avec vous par mail. Voilà, en tout cas, bonne après-midi, bonne fin d'après-midi. Merci. Et nous, on continue, du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout de suite pour le prochain workshop. Bonne journée à vous. Merci.